Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, un sujet que je trouve super intéressant et qui n'a pas été énormément parlé sous YouTube, et ce qui est dommage, sur Call of Duty Black Ops 4. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos. Tu sais, l'objectif c'est les 100 000 tryhards, on y arrive de plus en plus, la chaîne monte. Tout le monde est content, on claque des gros gameplay, Black Ops 4 est magnifique, pourquoi on devrait s'en plaindre? Et surtout, n'hésite pas à lâcher ce putain de pouce bleu. D'ailleurs, je vais faire une petite annonce, demain, je vous donne rendez-vous, donc on est aujourd'hui samedi 27 octobre, demain, dimanche 28 octobre, pour une énorme vidéo. Je le dis, il y a déjà certaines personnes qui ont vu la rediffusion de live, etc. Mais franchement, demain, rendez-vous, donc dimanche 28 octobre pour un gros gros truc et ça va vous faire extrêmement plaisir. Donc de nouveau, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, etc. Aujourd'hui, on va parler des 5 classes qui sont ultra cheatées avec le mode opérateur. Alors qu'est-ce que le mode opérateur pour les personnes qui ne savent toujours pas qu'est-ce que c'est, etc. C'est vrai que moi j'ai mis du temps à pouvoir le mettre une fois dans une classe parce que je ne comprenais rien, je ne savais pas du tout comment il fallait mettre le mode opérateur. Alors tout simplement, déjà, pour activer le mode opérateur, c'est que sur certaines armes. Là, je vais en montrer quelques-unes et tout ce qu'il faut. Et par exemple, le mode opérateur sur l'ICR n'existe pas. Il n'y a pas de mode opérateur sur l'ICR. La même chose pour l'AKN. Donc, il n'y a que certaines armes qui possèdent justement cette capacité d'avoir un petit avantage sur d'autres armes. Par exemple, je vais dire une bêtise. Bon, de toute façon, je vais en parler un peu plus tard. La Espadon a cet avantage-là. Enfin bref, donc là-dessus, comment vous l'activez, il est super simple. Il faut aller tout simplement dans les jokers et vous avez un truc qui s'appelle mode opérateur. Alors le mode opérateur prend 3 places, hein, ça faut le savoir, c'est-à-dire que si tu actives le mode opérateur, il te pouffe 2 places et en même temps bah, rajouter tout simplement le truc nécessaire, hein, le truc spécial de la classe. Là-dessus, c'est assez simple. Voilà, comme ça au cas où je vous ai expliqué, les personnes qui demandent chaque fois comment on met le mode opérateur, etc., je vous l'ai expliqué. C'était plutôt assez simple. Enfin bref, on va se retrouver avec moi les 5 classes mode opérateur cheaté. Je vais vous montrer les 5 armes qui, selon moi, sont super intéressantes. Elles sont géniales. Alors, il y en a aussi d'autres qui sont très intéressantes et tout ce qu'il faut. Mais c'est, selon moi, mon avis, même par expérience des personnes qui ont pu jouer contre moi avec ce genre de choses et qui ont pu, des fois, un peu, comment dire, me frustrer. Enfin bref. On va commencer avec le premier, et le premier, je vais commencer avec l'Espadon. Pourquoi je commence par l'Espadon? Parce que j'ai fait récemment une vidéo dessus, donc pour ceux qui s'en souviennent, j'avais claqué la double nucléaire en live dessus, enfin, double nucléaire équivalent, donc 62 kills sans mourir avec, et c'était vraiment une classe super intéressante et tout. D'ailleurs, j'avais dit quasiment que c'était une des meilleures classes qui existait sur Black Ops 4, et c'est vrai que la capacité tout simplement de la Swordfish, donc tout simplement de l'Espadon, c'est au lieu de tirer des rafales de 4, tu peux tirer des rafales de 5. Alors c'est grave stylé, c'est grave cool, mais de nouveau, c'est à parti pris. Ça veut dire que moi, je préfère jouer avec gros calibre dessus, tout simplement parce que normalement, t'es pas censé one. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu joues à la Espadon, quand tu balances une rafale de 4, t'es pas censé one la personne, il est censé lui rester 10 HP. Et avec le gros calibre, normalement, ça fait le taf, ou tout simplement, tu décides de mettre avec la rafale de 5 qui décide tout simplement de one-shot la personne. Hein, vraiment, aucune chance, c'est du pur one-shot. Et si vraiment vous avez envie de faire archi mal, par exemple faire des doubles ou des triples feeds très facilement, vous pouvez mettre la rafale et gros calibre. Voilà, mais pour ceux qui veulent vraiment une classe très complète sur cette arme-là, au cas où je vous invite à voir, cette classe est invincible sur Black Ops 4, qui fait en l'occurrence référence au nombre de médailles invincibles que j'ai pu débloquer avec cette arme-là en live. Ensuite, la deuxième arme, on va attaquer la Auger. Alors la Auger également, j'en avais fait une vidéo dessus où justement je faisais un énorme massacre qui n'est pas énormément joué en multi parce que elle réclame quand même un certain skill, hein, contrairement à l'arme que j'ai pu récupérer justement là à la batteuse, qui est vraiment très puissante. Hein, on va pas dire le contraire, c'est vraiment une arme super puissante. La Auger également, c'est une arme super puissante qui, au lieu de tirer tout simplement au coup par coup, tire des rafales de 2. Alors je peux vous dire que c'est une dinguerie. Je peux vous affirmer, je peux vous assurer que j'en ai vu des classes cheatées tellement puissantes dans ma vie que la Auger, c'est juste incroyable. La Auger avec la rafale de 2, donc tout simplement le mode opérateur,
et gros calibre dessus avec chargeur rapide et viseur réflexe, c'est une dinguerie. C'est un truc de malade, déjà que normalement la hauteur tu mets 2 balles. Alors si tu mets les 2 balles dans la tête, bye bye. Merci d'être venu, au revoir. C'est vraiment une arme super intéressante et que je vous recommande de jouer avec. Bon, maintenant on va arrêter les fusils tactiques parce que je pense que sinon je vais me faire insulter si je commence à faire la BR. Hein. On connaît la communauté francophone là-dessus. Le troisième, alors ça c'était un truc incroyable, c'est le fusil à pompe. Alors oui, pourquoi je mets un fusil à pompe là-dedans, sachant que c'est les armes les plus inutiles qui existent sur Call of Duty Black Ops 4. Oui, c'est très rare qu'un fusil à pompe one-shot sur Black Ops 4, certains vont être ravis comme moi et d'autres qui malheureusement sont très fans des fusils à pompe, éventuellement comme Monsieur le V12 qui malheureusement ne peuvent pas one-shot. Il y a un fusil à pompe qui a un truc mais totalement what the fuck. C'est le fusil à pompe qui est automatique, enfin qui est semi-automatique, on va dire ça comme ça, qui permet de flasher les gens. Voilà, vraiment, quand je dis vraiment flasher, c'est vraiment au premier sens du terme. Hein. Ça veut dire qu'il te balance une lumière aveuglante et tu ne peux pas voir la personne. Et c'est très problématique pour tirer parce que la première fois, je me suis dit, non mais il y a mon jeu qui bug, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai une lumière à chaque fois, à chaque gunfight, etc. C'est quoi ce bordel? Et en fait, non, c'est le mode opérateur d'une arme, en l'occurrence d'un fusil à pompe qui permet de faire cela. Alors c'est plutôt assez intéressant, surtout en mode hardcore, ça peut être assez casse-couille. Enfin, mode hardcore, je pense que si tu vois une lumière, tu tires dans la lumière et tu cherches pas à négocier. Mais c'est vrai qu'en corps et tout ce qui est corps à corps, etc., ça peut être casse-couille de savoir où il faut tirer, etc. Et ça peut être assez marrant d'ailleurs, ça peut être quand même assez marrant là-dessus. Ensuite, on va se retrouver donc avec une SMG qui est totalement sous-cotée sous Call of Duty Black Ops 4, qui est la SOG. Alors la SOG, c'est la dernière SMG que tu peux débloquer sur Call of Duty Black Ops 4. Et pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est le mode opérateur, c'est tout simplement les Akimbo. C'est un truc de malade. Franchement, je le dis, c'est un truc de psychopathe. Ça fait super mal, déjà au corps à corps. Et à moyenne distance, l'arme ne bouge pas. Alors, j'ai pas essayé de mettre avec des viseurs laser pour que, éventuellement, l'arme ne bouge absolument pas. Mais je peux déjà vous dire que sans le viseur laser pour avoir un meilleur tir au jugé, c'est déjà très puissant. C'est super puissant de ouf. Et des fois, ça me rend ouf quand je tombe face à cette arme-là sur Call of Duty Black Ops 4. Le premier truc que je fais des fois, c'est que je joue, j'essaye de nouveau faire des gunfights, etc. Et après, je rage quitte. Je l'assume ouvertement. C'est un truc, en fait, qui me rend fou. Les Akimbo m'ont toujours rendu fou sur Call of Duty Black Ops, sur Call of Duty. N'importe quel Call of Duty, les Akimbo m'ont toujours rendu fou. Et cette arme-là, elle en fait partie. Elle fait partie des armes qui me rendent, on va dire, un peu tendu. Et on va terminer sur la GKS. La GKS, c'est quoi? C'est une mitraillette, pour moi, qui est la mitraillette la plus puissante du jeu, enfin, la plus polyvalente. La plus puissante, pour moi, serait quand même la SOG. Mais la plus polyvalente resterait la GKS, qui est vraiment incroyable, super intéressante et tout, et qui va se comporter en mode opérateur comme une chicom. Elle va balancer des rafales de 4. Alors, au début, tu vas faire, oh, c'est un peu bizarre, tout ça. C'est un peu bizarre, j'ai envie de dire, passer d'une SMG normale à rafale, c'est vrai que ça peut être bizarre, mais elle se comporte comme une chicom et fait pas mal de dégâts en l'occurrence, et elle est encore plus stable. Alors déjà que la GKS, pour ceux qui ont pu jouer ou ceux qui ont pu voir mes gameplays en live avec la GKS, en l'occurrence l'arme bouge déjà très très peu, mais alors là, on dirait une ICR avec 2 poignées. Et c'est vraiment un truc de ouf, vraiment, avec les 4 rafales. Vraiment très intéressant pour ceux qui ont pu jouer à la chicom de Call of Duty Black Ops 2, si je dis pas de bêtises, c'est Call of Duty Black Ops 2, qui était vraiment très intéressante et tout, et justement la GKS se comporte ainsi, et c'est plutôt assez stylé de mettre un petit lien comme ça, tu vois, genre, on a joué à Call of Duty Black Ops 2, et là on nous dit, ah, une SMG à 4 rafales, tiens, ça me rappelle quelque chose, c'est pas la chicom de Call of Duty Black Ops 2, et ça fait toujours extrêmement plaisir de voir ce genre de choses, et franchement, même si on a l'impression que ça en vaut pas la peine, elle est grave, grave, grave intéressante. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, comme ça j'aurais pu vous donner à peu près tous les astuces, etc. Après niveau des atouts, etc., si vous avez l'habitude de suivre mes best class setup, vous savez comment ça se passe, etc. Il y a certaines armes, bien évidemment, que je vais en reparler, mais c'est plutôt un bon topo avec des armes opérateurs que je vous recommande sur Call of Duty Black Ops 4. Voilà les gens, c'était Loctetou, et je vous dis bye, et à la prochaine, peace out.